c'est la star de la gamme Fiat professionnelle. Aujourd'hui, elle brille plus fort que jamais, puisque le millésime 2020 du Fiat Ducato devient bien plus qu'un simple véhicule utilitaire. Leader des ventes dans son segment en Europe pour la cinquième année consécutive et particulièrement performant sur notre marché également, le Fiat Ducato met toutes les chances de son côté pour que son succès ne se dément pas. Nous présentons le nouveau Ducato millésime 2020. Le Ducato double cabine dispose de fonctionnalités qui répondent parfaitement aux désirs du client. Nous collectons continuellement des données provenant de notre clientèle, parfois directement. Et c'est grâce à ce retour d'information que le Ducato offre plus de technologie, plus d'efficience et plus de valeur. S'il bénéficie d'un look retravaillé, plus valorisant et plus moderne, c'est sur le volet des technologies embarquées et sur celui des groupes motopropulseurs que le cousin technique des Citroën Jumper et Peugeot Boxster a mis le paquet. Au poste de conduite, la présentation devient plus épurée et assez flatteuse. Elle doit beaucoup à l'écran tactile de 7 pouces inédit, signé Mopar, et désormais ouvert sur Apple CarPlay et Android Auto. Cette nouvelle interface homme-machine donne aussi accès à un système de navigation des plus évolués. Compatible avec Waze ou Google Maps, elle considère les dimensions du véhicule et tient compte des remorques ou porte-bagages. Elle va ensuite aviser le conducteur pour, par exemple, éviter une ruelle trop étroite ou un pont trop bas. En fait, Ducato nous fait une véritable démonstration technologique. Détecteur d'angle mort, alerte de trafic arrière, reconnaissance des panneaux routiers, freinage d'urgence actif et bien plus encore. Sous le capot de ce travailleur, de nouveaux blocs diesel modernes aux normes Euro 6D qui se déclinent en 4 niveaux de puissance de 120 à 180 chevaux. Et pour la première fois, le Ducato propose en option une nouvelle boîte auto à 9 rapports. Mais la belle surprise, c'est que ce nouvel opus du Ducato débarque avec une variante 100% électrique. Elle développe une puissance de 90 kWh, soit un peu plus de 122 chevaux. Quant à sa Vmax, elle a été limitée à 100 km/h, question de ménager les batteries. Fiat annonce une charge utile maxi d'une tonne 9 et une autonomie fort intéressante comprise entre 220 et 360 km. Deux arguments bien étudiés selon la marque italienne et qui feront du Ducato un compagnon de travail tout à fait recommandable. Le Ducato a aussi droit à une première mondiale. Il s'agit du Ducato électrique, premier véhicule électrique de Fiat professionnel. On l'a conçu après une étude détaillée d'une année auprès de vrais clients habitués à utiliser nos véhicules. Ces modèles ont été équipés pour l'occasion de boîtiers de télémétrie. On parle de plus de 4000 véhicules observés sur une distance de plus de 50 000 km. Si les Ducato thermiques seront commercialisés dès le second semestre 2019, il faudra attendre en revanche 2020 pour voir débarquer le Ducato zéro émission. À très vite sur wanderloo.com.